Alors bonjour à toutes et à tous, donc je vous pour une nouvelle vidéo. Donc je vous ai épargné le temps de rapatrier mes troupes de Finlande et j'ai débuté la guerre contre le Saint-Empire. Donc une partie du regroupement de mes troupes, je vous l'ai épargné. Sinon ça aurait pu être long quand même, hein. Donc j'ai 8000 hommes ici, j'ai 2000 hommes en Sicile, hein. Et j'ai plein de petits pecnos un peu partout, hein. Vous levez ça, s'il vous plaît. Mais évidemment, en même temps de la guerre, faut que je m'occupe des rébellions. Des révoltes plutôt de paysans. C'est super sympathique de leur part, hein. Mais bon. Voilà. Donc, je vais tout de suite envoyer mes 20 000 hommes les aider. Mes 21 000 hommes ici vont aussi les aider. Éloise, Denis. Putain, j'ai deux enfants d'un coup. Je ne savais pas comment ça se fait que j'ai deux enfants d'un coup, je ne savais pas que c'était possible, donc... Une épidémie, ça pourrait être... Car je pense qu'au début, je voulais uniquement... faire un tournoi, que finalement, j'ai décidé de vous faire une petite guerre contre le Saint-Empire. C'est dommage, j'ai pas eu le temps de mettre les généraux, ça m'énerve ça par contre. Le fait que j'ai pas mes généraux, je vais perdre cette bataille, ça m'énerve ça, je vais pas avoir eu le temps de les mettre. C'est pas normal, j'ai pas eu le temps, voilà. Je vais perdre là, comme ça, 20 000 hommes, je viens de perdre. Ah, je vous rassure, c'est pas le seul bug que je connais du jeu, hein. La bataille derrière, mais bon, voilà, le centre a cédé. Ah oui, il faut faire gaffe aussi une chose, quand vous mettez votre chef dedans, il peut mourir au combat. Là on poursuit par contre, aucune pitié, là je poursuis, je l'explose entièrement. Ils ont fait leur office. Je rapatrie tout là. Voilà. Le but est vraiment de complètement annihiler les troupes qui restent, hein. Bon, il m'a quand même coûté 24 000 hommes, il me reste, et moi perdu, j'ai même pas envie de compter. Et hop, cachot. Voilà.
Faut savoir que des piquets de l'infanterie lourde, c'est pas forcément la meilleure chose pour attraper les fuyards, mais bon. On va faire avec. Hein. Généraux de moins. Encore une révolte? C'est pas possible. Et le petit problème aussi, là je vous ai pas expliqué, mais vu que je viens de prendre... Il y a beaucoup de révoltes après une guerre sainte, mais qui sont d'une culture étrangère à la vôtre. Quand je dis beaucoup de révoltes, c'est... vraiment beaucoup. Hein. J'ai pas gagné. Et là, on va mettre... Voilà. Bon, après cette bataille, je pense que j'ai normalement gagné cette guerre. Oui, voilà. Voilà. Vienne me revient. Voilà. Et comment ça se passe ici? Si la Russie pourrait terminer cette guerre, ça m'arrangerait bien. Parfait. Et nous allons faire ce... Toi, je te libère. J'ai oublié de prendre le timer pour aider de la vidéo, c'est génial. Donc je ne sais pas à quelle heure je dois finir. Allez, on va faire ça au pifomètre. Non mais dites pas que t'es nouveau en... Ah ouf, c'est bon, tu peux t'en occuper seul. Et nous allons regarder maintenant les troupes du suzerain. Voilà. Il n'y a plus que 12 000 hommes là. Je lui ai fait un tout petit peu mal. Donc j'aime bien faire ça au Kaiser après. Qui se débrouille en fait pour les guerres suivantes. Parce que parfois il y a... Ah, plus burger. Il y a très 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 bon point. Si vous venez de constater. Indépendance. Voilà, il suffit que la guerre d'indépendance appelle plus d'hommes. Une fois que je vire mes troupes, je pourrais déclarer la guerre. Parce que entre temps. Parfait. Ce que je vous ai pas dit. Je sais pas. J'ai même plus vu ma revendication maintenant. Messine. D'accord. Donc, Palerme. Entre temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la revendication sur Suse, donc j'ai décalé la personne. Donc voilà. Et normalement une fois que j'aurai Sussis. Et normalement je pense qu'une fois que j'aurai réussi à le conquérir, je pourrai normalement usurper le duché de Lombardie, je crois, je sais plus le nom exact. Donc voilà. Ensuite, je sais pas si je voulais montrer, étant donné que c'est la 3e fois que je recommence à filmer. Mon espion est ici, étant donné que. Niveau recherche culturelle, c'est beaucoup mieux qu'ici.
Et genre, si jamais il y a une personne, voilà, qui joue au jeu, qui en a un endroit excellent pour mettre son Damas, peut-être. Un endroit vraiment où il y a beaucoup de technologie pour espionner. Parfait. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il faut aussi convertir sa population. Ouais, bon. Ça, c'est un détail suivant. Mais comme je disais, si quelqu'un connaît un endroit excellent pour tout ce qui est espionnage de technologie, dites-le moi dans les commentaires, parce que ça m'intéresse. Parce que par exemple, à Popoté, il n'y a rien du tout ici. Tout c'est le pape. Ah, ils meurent tous. Ils sont tous vieux. Étudier une technologie. Ok. Voilà. Et nous pouvons... Voilà. Créer... C'est du chez dessus. Voilà, maintenant nous le savons. Et je vais le donner à lui, accorder titre foncier du chez dessus. Et toi, tu récupères le pied. Voilà. Donc, c'est un demi vassal qui prétend à ça apparemment. Ça m'étonnerait que ça intervienne pour moi, mais bon, on verra bien. Mais donc, pire des cas, de toute façon, on va se faire une tonne d'argent. Je vais pas vous mentir, objectif premier est vraiment de foutre en l'air le Saint-Empire, faut dire ce qui est. Vous voyez que je grignote petit à petit quand même le Saint-Empire, il n'y a pas à nier. Et si pour le foutre en l'air, je dois complètement détruire le titre d'empereur de Saint-Empire, je le ferai. Sans aucune pitié, je ferai uniquement pour qu'il y ait plus de Saint-Empire. C'est pas gentil, je sais, mais bon. Voilà. Escorte, c'est bien, ça progresse petit à petit, donc... Je sais pas si je peux lui déclarer la guerre. Mais... Non. Toi, je peux lui déclarer la guerre. Non. Non, ça me donnerait juste du prestige, je m'en fous. Vous constatez aussi qu'il y a énormément de troupes, hein, 10 000 hommes. Donc j'espère bien que le Kaiser va perdre sa guerre. 39 en faveur du duc Albert II de Ferrare, et là, 30 en faveur de l'empereur Charles II. C'est très bien ça. Alors, ici recherche technologie militaire. Et avec votre chaplain, vous pouvez bien évidemment aussi convertir la population. Ça peut être une bonne idée, personnellement j'ai envie de privilégier la technologie, même si la technologie prend beaucoup de temps à monter, sur le long terme c'est plus rentable. Surtout que par exemple je peux faire en technologie tolérance. Et je crois qu'ils vont commencer à m'énerver. Bon, il veut toujours pas. Je sais pas quoi faire. Impératrice à gagner. Très bien. En fait, vous constatez qu'on fait un peu notre guerre chacun de son côté. Elle fait ses guerres, je fais les miennes. Normalement, elle doit intervenir. Normalement. Oh.
Voilà, nous avons encore empêché la révolte ici. C'est bien le duc qui est en train de gagner sa guerre. En fait, chacun gagne sa guerre, faut dire ce qui est. Donc c'est très bien. Donc lui, je pourrais faire une guerre ou pas? Guerre ça. Alors qu'est-ce qu'il reste? Pomarie, Corgan, c'est la Prusse. Orientale. Il y a vraiment des mauvais chapelains, donc c'est dommage. Et mince. Social ambitieuse. Le Saint-Empire n'a plus de troupes, donc moi je vais gagner ma guerre. Eux vont normalement gagner leur guerre aussi. Au final, on sera tous gagnants, tout le monde gagne ses guerres. Ah, vous venez de constater aussi, c'est ce que vous avez pas parlé, mais il peut y avoir ce petit problème quand vous faites beaucoup de guerres. Des blessures, tout ça. Mais bon, c'est le jeu, hein. Et on va faire avec. Et au frappe. Voilà. Et c'est comme ça que parfois on peut récupérer aussi des parties quand même. En hack, organiser un grand tournoi. Voilà. Et toi, vous pouvez abandonner l'armée. Donc voilà. D'ailleurs, c'est pour quelle raison ça? La guerre d'indépendance. Très bien. Alors. Il n'y a pas des prétendants qui voudraient venir. Pas des prétendants à se compter. J'en sais les deux qui sont... Et j'ai oublié aussi que je pouvais normalement... Je refuse, c'est vraiment, là, c'est rien contre elle. Je sais pas avec qui j'ai fini mes traités de paix en fait. Avec lui. Donc avec lui j'ai fini. Avec lui j'ai fini. J'ai besoin de finir mon tournoi. Voilà.
Comme ça, tout le monde m'apprécie plus. J'avais besoin de faire ce tournoi. J'ai pas gagné. On va reprendre Albert. Et ici, on va reprendre des Carragher pour Rennes. Voilà. Ici, on va aussi lever les troupes. On joue. Alors c'est vraiment rien contre elle, c'est j'avais besoin en fait d'une équipe que mes vassaux vont un peu moins m'apprécier. C'est que j'ai besoin de ce plus 10. Ils vont m'apprécier de plus 10 étant donné que j'ai organisé un tournoi. Et c'est énorme plus 10, je vais pas vous mentir. Donc j'avais besoin de ça. C'est uniquement pour cette raison que j'ai refusé. Mais normalement je refuse pas d'aider pour les guerres. Excepté quand la guerre n'a aucune raison d'être. Bon, mais ça c'est une autre raison. Et le bon point c'est qu'en trésorerie, pas trop mal. Mais il y a un petit problème de diplomatie pour l'instant. Une fois que la diplomatie progressera, ça ira tout seul. Non. Ouais, nous avons pillé. Ouais, je gagne quoi, 33 par tour. On pourrait tellement faire appel aux mercenaires maintenant. Qui est ici, but impossible. Ah, accepter. Essayez. Accord et titre français, comté d'Arnay. Et Gascogne, on va aller vers Dornay, le duché de Gascogne. Voilà. C'est vraiment des petites manips, ça, mais. Plus vous jouez au jeu, plus c'est un automatisme ça maintenant pour moi. C'est une habitude par exemple. Je peux redéclarer à... je suis entré avec qui en fait? Bonne question. Ouais, Ou 23. Ouf. Je ferai peut-être une guerre aussi contre la Sicile. En temps et en heure. Étonné que je... Soit j'attends d'avoir deux titres de plus. Ah non, même, il m'en faudrait même 4. Voilà, du des prisonniers, on les libère. Non, non, toi t'as pas le droit de revendiquer mon royaume. Comme toujours aussi marrant quand même toutes ces guerres. Mais mine de rien, ça a quand même une belle gueule maintenant, l'Empire de France. Bon, je pense que on va faire encore 7 minutes ensemble. Je sais pas quand j'ai commencé à filmer, donc il se peut que la vidéo soit plus longue que d'habitude. Si c'était le cas, je m'en excuse. Si c'est pas, si la vidéo est plus courte que d'habitude, ce qui m'étonnerait, ben je m'en excuse aussi.
Ah bon, bah. Parfait ça. Ouais, c'est logique après tout. Alors, il dit qu'un enfant, toi-même, avec... On a vu, je peux, je pense, récupérer ça. Par contre, je sais pas si j'ai encore mes revendications sur... Non, j'ai pas mes revendications gravées, c'est tant pis. Bon, cette fois-ci, j'accepte, hein, je peux largement y venir l'aider. De mettre des généraux, j'ai complètement zappé de mettre des généraux, donc voilà, on va finir cette guerre et on s'arrêtera. Indépendant. Et je vais aider, donc ça c'est ma mère si je me trompe pas, c'est ça. Et comment va cette guerre? 18 en faveur de Kaiser. Donc le Kaiser est en train de gagner cette guerre. Ah, faut dire aussi c'est le Kaiser, même s'il perd au début, soit il perd rapidement. Mais bon, il y a quand même un empire derrière. Ah, ça va recommencer petit à petit. Hein. D'ailleurs, c'est une impression, la Croatie a complètement disparu. Ah oui, oui. Ah d'accord, ah oui, la Croatie... Ah là, vous comprenez ce que je veux dire. La Croatie a légèrement disparu de la carte, mais bon. C'est peut-être des bons textes. Des bons, d'accord. Donc voilà, on va vite rapatrier les troupes en Sicile. On va faire une petite guerre en Sicile. On s'arrêtera là. Que sinon, je vais tenter de faire ça de mon côté. Donc je sais que j'ai pas envie de le faire de mon côté. Cette fois-ci je peux pas
Je vais pas toujours me permettre de... d'être dans toutes les guerres. Surtout au regard, parce que vu le nombre de guerres qu'ils me font à la minute, ceux-là... Donc on va s'arrêter là. Hein. On n'aura pas déclaré encore la guerre à Sicile, c'est pas grave. Ça sera pour une prochaine fois. Hein. Putain, mais trop confus. Lol. Donc voilà, en tout cas, j'espère que... On va s'arrêter en plus au 1er janvier 1176. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie, que vous avez apprécié cette vidéo. Hein. L'art catholique, vas-y. Oula. Et que d'ici la prochaine fois, vous porterez bien. Et vive le jeu vidéo. Et j'en profite aussi pour dire, si jamais vous avez des demandes à faire pour le jeu, hein, vous pouvez me demander, hein, je répondrai à toutes les questions que vous avez besoin dessus. Au revoir.